Rebonjour tout le monde, bonjour YouTube, rebonjour Twitch, c'est Jake pour Ivasson Studio, on est sur Mario 35. Et objectif top 1 hein, comme d'habitude, même si on fait pas top 1 à chaque fois. Les quêtes de ce jour, terminées parmi les 20 premiers lors d'une bataille à 35. Ça devrait aller. Terminer 4 stages au cours d'une même bataille, ça devrait aller. Utiliser la roulette d'objets 10 fois lors de bataille à 35. Sous-entendu, avoir 200 pièces et les dépenser quoi. Ça devrait aller aussi. On n'est pas en bataille spéciale. Ah, c'est vrai qu'on a raté la dernière. Bon, c'est pas grave. Let's go, j'ai envie de dire. Je représente pas le jeu, vous connaissez. Hein, on est sur du Mario Bros. Premier du nom. Dans un ordre aléatoire des niveaux. Avec 35 autres joueurs. Qui vont faire la même chose que nous. Pas forcément les mêmes niveaux. Et le but, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Vamos, hein, comme on dit, c'est un cours de recherche. Mario 35, un jeu assez spécifique, il est dispo gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online depuis octobre dernier et jusqu'à la fin de ce mois de mars, uniquement à la fin de ce mois de mars. Après, il sera normalement plus là. Donc on en profite et on fête les 35 ans de Mario tous ensemble avec Mario premier du nom, en tout cas Mario console premier du nom, parce que c'est pas la première fois qu'on voit Mario sur un jeu vidéo. Faut savoir que Mario à l'origine ne s'appelait pas Mario. Il était charpentier et non pas plombier. Ça commence bien, dis donc. Tac. On va récupérer 20 pièces. Voilà. Allez, on se concentre. On va récupérer 10 pièces de plus. Un peu plus, mais... J'ai un coup de froid, là. Mais oui, j'ai sauté, la coupa. Une petite étoile. On récupérera un champignon un peu plus tard, c'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave. Oh non. J'aurais voulu le 1-2, pas le 1-3. Que j'ai un bon bonus. Parfait, parfait. C'est bon. On a utilisé une roulette. Hein. Ok, parmi les 20 premiers, la quête est faite. Hein. Il reste plus beaucoup de monde. La moitié des joueurs sont partis. J'avoue que j'ai pas retouché à Mario depuis Mario 35 depuis le dernier stream qu'on a fait dessus. Or que normalement j'y joue un petit peu tous les jours. C'est quoi tous ces Koopas là? Ah putain. J'ai bien fait de pas foncer. On va le laisser en vie, c'est pas grave. Top 1 du premier coup. Je pense pas. Je pense pas. Déjà, j'ai très très peu de pièces. Et c'est la game de chauffe, comme on dit. Donc s'il y a top 1, c'est un miracle. Hein. Allez, l'étoile secrète. Il est pas... C'est pas grave. Ça fait 3 niveaux là. Tac.
Oh, j'ai raté la plante à côté, bon c'est pas grave. Tant pis. Parce que à chaque fois qu'on tue un ennemi, bien sûr, c'est renvoyé sur l'écran d'un adversaire. Et voilà. Par contre, je manque de temps là. Je vais me faire avoir sur du temps. Je manque de pièces et de temps. C'est quoi ce bordel? C'est pas bon hein. Go. Oh, j'ai failli tomber. Ouh. Ok. Ok. Allez, 9. Le temps c'est déjà un peu mieux, c'est pas le temps full mais c'est déjà mieux. Étoile secrète, la voilà. Ah, il y a un Bowser en bas. Tant pis pour lui. Il a été esquivé sans trop de problèmes, mais il n'a pas été tué du coup. Je ne l'ai pas renvoyé. Encore le 1-3 ? Ils peuvent pas varier les choses là. Non, 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 non. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est encore moins cool. On les tue. Voilà, petit bonus s'il vous plaît. Ah, une étoile. C'est pas ce que j'aurais voulu. Par contre, un petit champi. Tac, tac, tac. Ouh. C'était pas rassurant ça. Ouais, mais deux plantes piranha. Ouais, là, il faut si tu soit on... il y a du fil et on tombe en plein milieu, soit voilà. Étoile. Ah bah tiens, voilà, on va clean. Ah, le 1-4. Ah purée, je peux pas foncer. Je peux pas foncer du tout. Vu tout ce qui arrive là. Ah ouais, je peux rien faire en fait. Pas ailé, sérieux. Éviter les bêtises. On se baisse. Ok. Faut qu'ils arrêtent avec ce fichu 1-3. Hein. Il est pas intéressant ce niveau. Mais que. Oh, vas-y, la coupe à passe. 1, 2, 3. J'aurais pu esquiver, mais c'est pas grave. Tant pis.
Vraiment je fasse le plein de pièces hein. Là c'est pas bon du tout là, les pièces c'est pas bon du tout. Se venge sur le temps. La même. Hein. Elle est plus que 5. Yes, c'est passé. Ah, t'approches des 10 000 points. Bravo. Tout ça pour mettre un pain au chocolat, t'es sérieuse. Plaisir Nostalix, il n'y a pas d'autre choix que de te proposer un fameux pain au chocolat, bien sûr, que tu t'offres à toi-même. Je peux pas les envoyer par la poste, sinon ils sont pas prêts. Donc pain au chocolat. Pour une fois, je n'ai pas d'autre choix que de dire pain au chocolat. C'est bête parce que tu aurais dû garder tes points, tu vois. Parce que ça, c'est encore une fois la game de chauffe, mais... c'est le jeu où on fait des prédictions. Quatrième, allez. Mais le temps de défile à une vitesse. Allez. Oh, bonjour Bowser. Voilà. Je suis dans la caca. Ah, 2, purée. Voilà, c'est bon. Je peux pas fermer les pièces. Il manque trop de temps là. Oh, derrière. Ok. Tu t'en vas. Il n'y aura pas de top 1, il y a vraiment un souci de temps là. Ah purée. Ouais, on retourne ici. De 4, non c'est mort, pas avec ce temps là. Dommage. Allez, top 3. Je ne sais pas vraiment où en sont mes adversaires. Hop, 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 hop.
je me suis sauvé la mise. Ah, le temps, ils sont tous les deux sur le temps contre moi, c'est pas cool. Ah oui. Dommage. Ah, deuxième du coup. Deuxième. Je crois. Yes, second. Tu renverses la vapeur Yakipon avec une chocolatine. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc Nostralix s'est fait plaisir avec un pain au chocolat. Yakipon sort la carte face cachée de la chocolatine. Ouf, ça va. Le monde est sauvé. C'est bien. Allez, plus que 5 roulettes d'objets et on vient de faire un top 2. Assez difficilement, hein, faut le dire. C'était pas simple. Bah, du coup, c'est simple. Du coup, c'est pas simple. Voilà. Top 2 pour la game de Chof. Ouais, je m'attendais plus à un top 5-6, mais c'est pas mal. Donc, il n'y a plus beaucoup de points chez Nostralix. Ça va être l'occasion d'en récupérer. Donc, on va faire la même prédiction que l'autre fois. On va être sympa. Avec, est-ce que je serai au moins top 5 pour cette prochaine prédiction. Vous avez une minute. Top, c'est parti. Enfin, top, quand... Donc, en Australie, c'est surtout pourquoi recumuler un peu tes points de chaîne. On va voir si c'est du top 5 ou pas. Hop, je m'étire. Seconde encore. Cinq. Nostralix. On regarde ça après. J'ai pas regardé ce que tu as mis. Ok, donc top 5. Nostralix t'a dit top 5. D'accord. Eh bien, on va essayer d'y faire honneur. Essayer. J'ai bien dit essayer. Ah, 33. On est 33. Ça fait deux places de moins à farmer. Ah bah plus que 32 du coup. Il y a le mec qui s'est dit non, j'ai plus pour mettre 31. 30. Taper à côté.
Ça, je me suis fait U. Il a un Goomba caché sur la Koopa. Là, j'ai retapé à côté, mais dans l'autre côté. Non, pas maintenant. Pas y aller comme un malade. Top. 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 Ah non, pas top, pas top, 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 top. Yes. Ça passe. C'est le contraire de ce que je voulais faire. Tant pis. Ok. Non, j'ai raté mon père. Oh, le 3-3. Génial. J'aime pas le 1-3, mais j'aime encore moins le 3-3. Excusez-moi, je passe. Merci. Viens là, viens là, viens là, viens là. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Sauf que forcément, ça va revenir. Ouais, il va revenir. Des pièces et des boules de feu. Ouais, il est là. Encore? Ok, c'est bon, je l'ai eu. Purée, les champignons. Et là, je suis dans la merde, là. Allez. Oh. C'est pas grave. Non! Désolé. Désolé. Ah, j'avais fait un super saut, mais... Ah, je suis déçu. Voyons voir ce qui est intéressant à regarder. Là. Il y a Maxi. Il y a HG07 qui est plutôt pas mal.
Ouais, il est bien. Lui, pourquoi pas, il y a Austin. Kai. Ah, ils sont tous pas mal là. Ah, il y a des Lakitu, on va regarder lui. Ah, Lakitu. C'est Izan. Enfin, lui, ouais, là, j'en sais rien. Saute. Voilà, c'est bien. Là, on est en spectate. Hein. On regarde les autres restants dans la partie. Il va galérer. Qu'est-ce que tu fais? La tortue derrière toi. Invasion de Lakitu. Mais pourquoi t'as pas récupéré l'étoile, mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il temporise beaucoup, beaucoup. Bon, en même temps, il a le temps, mais... En même temps, il a le temps, bravo. Ok, pour les Lakitu. GG. Belle tempo, du coup. Fais gaffe, là. T'aurais dû tracer. Attention derrière toi. Voilà. Ici. Il la joue hyper stratégique. Ah ouais, c'est... Il reste là, il rebalance juste... C'est pas bête. C'est pas bête, mais il va avoir un problème à un moment donné, quoi. Notamment ça. Mais ça va, il tempo. Il clean. C'est intéressant. Mais non, t'avais un... Il l'avait pas vu. Il l'avait pas vu. Ok, il y va à l'étoile. Je devrais clean les nuages. Clean les nuages, clean les nuages. Qu'est-ce qu'il... Clean les nuages. Il peut récupérer la vie secrète. Il donne 20 pièces là, du coup. Il va... Ouais. Ah, c'est con, c'est dommage, c'est bête pour le Pao. Dernière case. Voilà. Il est deuxième, du coup, bravo. Avec sa belle tempo, il est deuxième. Mais là, du coup, il se retrouve un peu embêté. Voilà, là. Encore un Pao. Il a clean tout, il a quitté. Ah, dommage, quoi. C'est dommage qu'il ait eu l'étoile et pas de chose. Retour des Lakitu, il n'y a rien à tempo, du coup il trace. Voilà Warp Zone. Et ouais, le joueur cherche à avoir des bonus plus intéressants que des Pao. Et là il a vu qu'il y avait un petit pic. Récupération de pièces. Il y va tranquillou, il est vraiment vraiment tranquillou. Allez, l'étoile. J'aime bien comment il passe un coup, c'est pas bête, j'y pense pas à chaque fois. Est-ce qu'il va l'avoir? Oui, c'est bon, récupération de la fleur. Oh! Ah non, il passe pas. D'accord, ok. Récupération encore de pièces. Bravo! Pendant qu'au mini-écran à droite, on aperçoit l'autre joueur qui vient de perdre une fleur. Mais ça a l'air d'aller tranquillement aussi. Invasion de plantes piranha sur l'écran de droite. Ça cherche à voir toutes les pièces et c'est le niveau des nuages qui tue en face. Il est sur le 4-1 ou 4-2, je ne sais plus. Il vient de récupérer une étoile. Ils ont l'air pas mal les deux. On va jeter un œil à l'adversaire suivant. Voici Kai. Sur le 4-1 du coup, il le termine. Il va accélérer sur la fin. Ah, le 2-4. Ouh, le 2-4. Oh, bravo. Ah, le coup du nuage là, bravo. C'était pas simple. Ouais, il a utilisé un bonus là. C'est dommage. Il fait... Qu'est-ce que...
Oh, dommage, le saut dans le vide. Dommage. Dommage, dommage. Où est-ce qu'on a né de la quête, du coup? Ah ben, il reste deux roulettes. Deux roulettes à faire. Bon, ça va, on a le temps. On est ensemble jusqu'à 19h. 19h15, à peu près, j'arrêterai dans ces eaux-là. Après, il y a des choses à faire. Manger, notamment. Mais pas que. J'ai pas pris d'élan. Pas du tout. C'est pas bon aujourd'hui. On a commencé top 2 sur la game de chauffe et là 10-14, c'est pas ouf hein. C'est pas ouf. Du coup direct on y retourne, on réfléchit pas là. On va pas spectate. Ça pourrit mes stats. Ça pourrit mon groove. Abaisse le levier, Kronk. Non, je vais mettre en aléatoire. Tiens. Changer un peu. Ah, je pensais l'avoir sans que ça rebondisse sur l'autre. Hop hop hop.
Je viens de prendre la fleur, qu'est-ce que je fais? Je la repère. Oh bordel, il y a une coupe là-haut. Ouf. Le petit réflexe de se baisser. Qui est passé au passage là. Il faut dégager le boost. Viens là. Voilà, c'est bon. Ah, le 3-3. Vengeance de tout à l'heure. Thank you.
5. Pour l'instant, on est bien. Guillaume, parce que je vous accompagne avec moi dans l'aventure. Oh, sérieux? Ne saute! Purée, il a sauté au même moment Bowser, mais c'est passé à rien là. C'est passé à rien. Oui, c'est bon. Ah, la panique. Et on me fout du temps en moins. Et je me prends ma propre carapace. Au secours. Et on n'est plus que deux. Allez, on y croit. Pas. Peut-être, je sais pas. Vite le temps. Oh non, pas celui-là. Je peux pas fermer le temps sur lui. C'est pas possible. Voilà, c'est fini. J'ai perdu. Top 2. Dommage. Et j'ai fini la quête, c'est le principal. La petite quête du jour. Et je prends un niveau. Oh bah écoute, plutôt plaise. Hein. Donc niveau 284, c'est ça? Ouais. 84 étoiles, donc 284. Ah. Bon, voyons nos stats nuls. Parce que du coup, c'est moche. Ouais, voilà. Il y a encore le 19 de l'autre fois. Hein. Dans deux parties, le 19 s'en va. Après, il y a 1-2-1-2. C'est dommage. Il y a 10-14 d'aujourd'hui.
Bon, déjà, on va dégager le 19. En espérant faire mieux et pas avoir d'accident. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Oh. Le 2-1. Il est sympa le 2-1.
Ah, fin. Le retour du 3-3. J'ai dit. Ah bah après le 3-3, le 1-3, dis donc. C'est jamais, hein. Là, j'aurais dû freiner par contre. Doucement. Là, ça craint. On est bon.
Ah, il y a trop de monde en bas, on passe derrière. Ah ouais, d'accord, 5, 4, 8, 1 ou 1. Bah non, désolé les gars. Je joue à la sécurité, hein. Top 1. Oh. J'ai bien fait de jouer la sécurité sur la fin. J'étais tellement recourbé que... Bon, ça vous est tiré aussi. Ah, on a battu Spécial K. D'accord, il y en a qui ont de ces pseudos quand même. Bon, je suis content, il y aura au moins un top 1 ce soir. C'est pas mal. Pas mal. Mais il faut poursuivre. Faut poursuivre les efforts. C'est parti. Mais quel nul! Manque déjà de temps, sérieusement. Ça c'est pas cool. Le fait d'être avec si peu de temps, c'est pas normal. Hein. Oh, le 8-1. On va pouvoir faire du temps. Il y a deux sauts qui sont... Deux sauts qui sont mauvais ici. Ah, le petit lag. Bon, ça va, on se refait un petit peu niveau temps, c'est pas mal. Thank you.
Ah, il y a deux tortues. Une et encore une. Ah non. C'est où? C'est ici? C'est où? C'est où? Non, c'est pas... Oh non! La tortue. Vilaine. Ah, mais bravo! Ok, un saut. C'est après. C'est le suivant qui va me poser problème. Ici. Non, pas ici. Encore après, alors. C'est ici. Allez, on ressaute. Voilà, c'est bon. C'est passé. Normalement, c'est bon jusqu'à la fin. Voilà. C'est crème. Oh purée, j'ai pas été bon là. On va se rattraper. La carapace qui a refréné sur la fin par ma faute, dommage. Le bilbal il m'a fait peur. J'aurais pu faire autre chose. Il y a la plante au-dessus qui va me gêner. Ouais, ça va. C'est pas mal ça. Thank you.
5. Ok. On part sur de bonnes bases. Ah, je vois mes deux adversaires en niveau aquatique, j'aime pas ça. J'échappe au niveau aquatique. Tant mieux. Moins qu'il les blues là. Ah ben, bah, bah écoutez, le doublé comme on dit, le petit doublé là, top 1 de nouveau, c'est cool, écoutez, voilà c'est tout ce que j'ai à dire, c'est cool. Ça fait plaisir, double doublé, double top 1 pardon, ça fait... Ça fait plaisir. Et du coup, on a viré l'horreur du 19, il y a 10 parties. Et là, faut dégager le 11, le 10 et le 14. Le 11 va être partir et après, il faudra être moins. On va voir. On va déjà faire partir ce monde. Mais bon, double top 1, c'est pas mal. Sur un coup de stress quand même sur la dernière partie là, c'était pas simple. Ils allaient assez rapidement, il n'y avait pas vraiment de tempo de la part de mes adversaires. C'était assez bizarre. Mais bon, c'est faisable et ça a été fait, donc tant mieux, on y retourne. On y retourne et ça sera probablement la dernière, je pense. La dernière ou l'avant-dernière. Ceux qui regardent et qui n'ont pas follow, je vous invite à follow si ça vous intéresse. Il n'y a pas que du Mario sur la chaîne, il y a plein d'autres choses. Donc demain 14h, il y a le camarade Yakipon qui fera du As Far As The Eye, la suite. Et après on se retrouvera la semaine prochaine pour un programme assez varié, du rétro, de l'indé. Et d'autres choses. Vous pouvez rejoindre le Discord aussi. C'est le Discord, donc on est assez actif, on est en vocal, même avec vous si vous avez envie. On parle de tout, de rien. Donc n'hésitez pas. Thank you.
Ah. Tu fais n'importe quoi. Purée. Oh purée la carapace. Wow. Je sais pas trop comment je vais esquiver, mais je vais esquiver. Tant mieux. Ah, purée. Et un Bowser en plus. Alors là, j'aimerais une étoile ou une fleur. Parfait. Double Bowser. Bah, ils auront pas fait long, faut tant pis, c'est pas grave. Ah bah tiens. C'est bon. Là par contre, tendu. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il va me... Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Dégage. PLS. Ok. On saute, on esquive, on revient. Les pièces. Purée. Étoile. Ok, on fonce. On réfléchit pas, on fonce. Voilà. Et on a plus de pièces, donc là on va faire gaffe. J'avais pas fait attention à ma timeline en plus, j'aurais dû faire attention. Là il y a une fleur. On va dégager la carapace. Voilà, on récupère la fleur. Dans le bon sens, Mario, parce que si tu veux pas tourner, le retour de Bowser, tu vas voir, tu vas voir. 1, 2, crash, 3, crash, 4, 5, voilà, c'est bon. Mauvais. Toujours pas de pièces, hein.
pas intelligent ce que j'ai fait, vraiment pas. Qui arrive juste après. Ouais, bah là par là. Tempo, plante piranha, carapace. Ok, carapace, ok. Elle va revenir. Non, elle revient pas. Mais moi j'ai toujours besoin de pièces. Ok. Oh les pièces, oui. Oh non, il arrive. Je suis dans la panade. Allez, passe. Ne saute pas. Enfin, si, moi oui, mais lui non. On tempo là. Je meurs. Ah, flûte. J'aurais dû aller sur la brique. Ou rebondir sur un champignon pour aller sur la brique. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même eu un double top 1, donc c'est pas mal. Bon. On va les observer. Qui c'est qui est intéressant là? Il y a Jas22, on est où l'écran? Il est là-haut. Il y a Feldor, Axe Wolfit, qui est un PLS. Il y a lui là, Kurt, qui a l'air sympa. Alors lui, il est en galère pas possible, il est pas haut. David. Si David y arrive à se rattraper, mais là, ça va être la galère pour lui. On va voir. Dommage, il a tenté, c'est pas passé. Le 6-2, le meilleur niveau des plantes piranha. Que des tuyaux, que des plantes piranha. Dommage, ah dommage. T'aurais pas dû faire ça. Saute. Ouais, il connaît le jeu, il s'est mis direct en position, il connaît le jeu. Il va les chercher, il va aller chercher les poissons. Il va chercher la plante. Non, tant pis. Il est pas très précis, mais il connaît le jeu quand même. Ouh. Bravo. Attention, retour de la carapace noire, c'est bon, attention. Les plantes piranha tuyaux, on a éliminé deux, c'est bien. Attention, ah, c'est bien. Et il maintient, il se maintient, il a pas beaucoup de pièces, pas énormément de temps, mais il se maintient. Il trace, il voit que dans la timeline il n'y a pas d'ennemis, il trace. Il a raison de le faire. Est-ce qu'il va sauter correctement ici? Bravo. Oh là, dommage, il y a eu un petit rebond. Petit rebond par le plafond. C'est bien. Ah là, il veut tracer, il a compris que le temps c'était pas bon. Allez, vas-y. Prends l'étoile. Ouais, c'est bon, il va prendre l'étoile. Fonce, stop. Ralentis, ok, il a besoin de pièces. Il a besoin de pièces. Mais le temps là va lui faire défaut de toute façon. Ah, il va à la warp zone, d'accord. Il va à la warp zone. Il va à la 1-4. 1-4 avec le temps là. Ambitieux. Profite de la frame, profite de la frame. Ah, dommage mec. Tu peux pas le passer, t'aurais dû profiter de la frame. Voilà, c'est bien. Dommage, dommage. Bon, tu élimines Bowser, mais bon. Là, tu te mets dans un truc qui va pas. Vas-y, trace, ralenti. Dommage. Dommage pour David. Voyons qui on va d'autre. On est sur Feldor,
Val d'Or qui a beaucoup de pièces, du temps correct, une fleur. Bon, il a l'air plutôt bon, on va regarder. Lui, il manque des pièces, il a pas de fleurs et il... Ok, bon, il a perdu. Il a perdu. Fonce. Ouh, le drapeau à 3 secondes, rouge. Mais là, c'est fini pour toi. Clairement. Voilà. Là, 3, 2, 1, top, c'est fini pour Axe Wolfit. Ah, il joue Luigi. Lui, il est sur Luigi, ça veut dire qu'il a terminé au moins une fois tous les niveaux du jeu. Moi, il me reste encore le 7-4 et le 8-4 parce que j'ai du mal à tomber dessus. En même temps, c'est un peu l'aléatoire du jeu qui veut ça, mais il est donc sur Luigi. D'accord. Kurt qui a 153 pièces. Du temps pas ouf. Est-ce qu'il a récupéré la fleur? Oui, non, oui, c'est bien. Ouh, le petit rebond là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il fait que des rebonds comme ça? C'est bien de savoir le faire, mais là, pour le coup, ça, mon dieu, le trilogie de poisson qui arrive, ça servait pas à grand-chose. Oh, dommage. Attention, Kurt, attention. C'est sa passion de faire des grands sauts, écoute. C'est bien, mais c'est pas utile dans ce moment-là, quoi. Ah, vas-y, fonce, parce que là, t'as plus de temps. Fonce. Ah, il a gagné. Oh, Kurt a gagné, parce que Feldor s'est pris un KO sur le 8-1, je crois qu'il était. Bravo à lui. Bravo. Allez, on va se quitter avec les stats. Oh, je suis à deux doigts de passer à niveau, en plus. On est mieux niveau stats. On est mieux, le 2 puis le double top 1 a fait plaisir. Bon, 6 à la fin, mais c'était un peu compliqué. Position moyenne, 4. Et prochaine partie, on est sûr de passer niveau 85 étoiles. Parfait. Voilà, bon, j'espère que ce petit après-midi Mario vous aura plu. Suivez Yvasound sur les réseaux sociaux, follow Twitch pour être notifié de nos streams, rejoignez Discord. Parce que là aussi, on poste plein de choses, des choses intéressantes concernant l'association, mais aussi des choses de tous les jours, de l'actualité, du ciné, des bons plans, jeux vidéo. On aime bien papoter tout ça, on est en vocal aussi, donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou. Demain, vendredi, l'équipe on sera sur Asphar Asiai, la suite, un jeu très intéressant, très doux, très calme, très posé, mais avec des enjeux importants. Donc, passez une agréable soirée. À demain en stream ici, et sinon la semaine prochaine il y aura plein de choses. Voilà, cordialement, bisous.